Et salut les poulpes, c'est Inja, j'espère que vous allez bien, que vous mangez des poneys. Et aujourd'hui on se retrouve sur une map Minecraft que j'ai trouvée et qui a l'air super sympa, enfin qui a plus... Non, qui a l'air assez sympa, enfin voilà, qui s'appelle Random Parcours. Apparemment, voilà, bienvenue au Random Parcours Générateur, fait par SMP15. Donc c'est une map parcours, merci. Qui génère des parcours aléatoirement, comme dit dans son nom. Donc on va tout de suite commencer à lire. Donc commence le jeu en utilisant le bouton à côté de toi, donc celui-ci je suppose. Et là, pour les commandes blocs, c'est quoi ça? Ah oui d'accord, donc ça c'est pour montrer un peu tous les commandes blocs qu'il y a de cette map. Donc voilà, il y a eu tout ça pour faire cette map, ce qui est plutôt beaucoup. Donc on va tout de suite commencer, oula. Petit freeze. Alors oui. Ah, scoreboard. D'accord, très bien. Alors apparemment, à droite, il y a un compteur de blocs parcourus. Et si on atteint 1000, on gagne. Donc regarde mon autre map Super Run. Alors génération du parcours. Donc c'est le parcours ici. Oh, ça m'a l'air plutôt cool, tiens. Alors on va tout de suite y aller. Donc là si on reste quelques secondes sur un bloc de redstone, ça nous set notre spawn point. Bah tiens, ça commence bien. Et je crois que je perds le livre à moins qu'il ait gardé le... Bah oui, il l'a gardé. Il est pas si bête. Il est pas si bête. Bonjour. Alors, ce qu'on va faire c'est réussir ce jump. Du moins on va essayer. Là on peut aller direct ici mais j'ai envie de set mon spawn point. Comme ça on a un max de chances de revivre. Voilà, par exemple, de cette manière, ce qui est totalement horrible. Bonjour, je viens d'arriver. Je ne connais pas trop ce milieu. J'aimerais finir le niveau de manière facile. Là, on va jeter ce livre violemment, parce que ce livre, on l'aime pas. Ah, on est déjà à 74 blocs, ce qui est plutôt beaucoup. 80. C'est plutôt sympa. Alors, bloc rose, vert, violet, orange... Voilà, donc on attend un nouveau checkpoint. Là, je pense qu'on peut se permettre des petites folies. Et maintenant, voilà. Bon, ça va, pour le moment, c'est pas dur. Enfin, ouais, faut que j'arrête de parler dans des moments où je ne dois pas. Alors là, ce qu'on va faire, c'est tout simplement tricher honteusement à nouveau. Et là, bah voilà, hein. Comme quoi la triche, ça paye pas. Bonjour, je souhaite respawn. Oh mais t'es nul en parcours, oh là là. Oui bon bah j'aimerais bien vous y voir. Non ok je suis d'accord, je suis nul en parcours. Mais c'est pas une raison. En fait c'est tellement simple que ça en devient dur. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, genre les jumps sont si petits, on dirait qu'ils sont grands vu qu'on est un peu dans le vide et voilà. Alors là on va essayer de voilà tricher de manière honteuse à nouveau. Spawn point 7. Bonjour, alors là il y a un bloc inutile. S'il y a un mec qui veut aller là-dedans, c'est comme il veut, hein, mais je pense qu'il va un petit peu galérer, voilà. Il va pas réussir. Bon, ok. Ça c'était nul, ça, ok. On est déjà à 201, pas mal, pas mal. Mon FOV. Oula. Le mec qui va en arrière. Bon, il faut pas tricher, hein, apparemment c'est pas bien. Voilà. Bonjour. Alors là, on veut marcher sur les blocs de manière violente. Sort de leur faire bien mal, en mode laisse-moi passer Jean-Charles. Pourquoi Jean-Charles, je ne sais pas. Alors, celui-là, on y arrive de manière facile. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste pas mal de trucs encore. On va se mettre un peu... Ok, donc ça, ça veut dire qu'on a encore pas mal de temps avant de... Avant de gagner, parce que oui, on va gagner, hein, je l'annonce. Là, je passe même pas sur le bloc de redstone, parce que on va gagner, c'est évident. Faut que j'arrête. Hop là. Easy. Facilité. Ok, non facilité. C'est à cause de la génération, ça, c'est à cause de la génération. Donc là, faut savoir qu'on est à la couche 29. C'est pour ça qu'on meurt de manière rapide. Faut que j'arrête de dire de manière, parce que ça a l'air... assez embêtant. Hop là, bonsoir. Bonsoir, là on speedrun là. Enfin, on essaye du moins. Oui,
je marche dans le vide. C'est quoi? Qu'il y avait un truc chelou. Hein. Genre. Là, je vois plus mon personnage là. Ok, d'accord. Cette map est bizarre. On va pas chercher à comprendre. On va continuer à courir comme un mouton. Comme Sean. Sean le mouton. Sean le mouton. Non, mais c'est dur. Monsieur, votre map est dure. Faudra dire au mec que sa map elle est un petit peu compliquée. C'est pas comme si on était au niveau 273 et qu'on mourait déjà. Mais voilà. Et bah voilà. Et bah voilà quand on veut. Et là on va bien marcher sur le bloc. Voilà. Voilà, là tu arrêtes de m'embêter, jeu, ok? Ok, jeu. Je tu heal. Voilà, là il est 7. Même il est 8, tu vois. Ouais, on se permet des petites folies au niveau des blagues. J'avais dit dans ma vidéo en mode jute libre que je serais interdit de blagues. Bah là, je pense que ça va se concrétiser, comme on dit dans le milieu. Eh, 303 blocs. À 404, non, ok. Stop, monsieur, on s'arrête là. On va mettre notre spawn point honteusement, parce qu'on est un peu des lâches, hein, faut l'avouer. Bonjour. Mais ça, c'était trop nul, quoi. C'est pathétique quand même. C'est un peu comme ce mec là. Alors, il faut actuellement savoir que mon bras danse la Macarena. Ce qui est plutôt original de la part d'un bras. Alors là, je viens de m'élancer dans le vide. En mode... tu veux construire un bonhomme de neige? Je sais pas si c'est ça la musique, mais on s'en fout. C'était plutôt classe. Je voudrais m'élancer dans le vide pour pouvoir crever. Ouais, ok. J'ai compris, j'arrête. Je me tais. Monsieur, soyez pas si violent avec moi, quand même. On set notre spawn point. Histoire de ne pas crever violemment. Alors là, c'était nul. C'était très nul, même. Alors, je veux pas dire, mais on est quand même à 450 blocs générés. Et là, c'est un peu moins nul, déjà. 455. Ça avance plutôt vite, hein. Tac, boum, c'est qui le PGM? En tout cas, c'est sûr que c'est pas moi, mais au moins je pose une question, tu vois. Ok, là, c'est plutôt classe, ça me fait un peu penser à Total Wipeout, tu vois. Genre le mec, il s'éclate littéralement la tronche. Enfin, on va essayer de pas faire comme eux, hein. Je dis bien, on va essayer, parce que, bon, à coup sûr, on va faire comme eux. Alors, là, t'as le jeu, il s'est fait une petite folie, comme ça, il a fait, allez, on fait cracher. Comme ça... Tu vois, je perds bien mon avancement. Et ça marche bien. Et là, ça me donne envie de mettre un énorme coup dans mon ordinateur. Bien sûr, ce n'est absolument pas vrai. Enfin, je crois. Là, c'était nul. Là, c'était bien nul, là, tu vois. Là, c'était bien nul, tu vois. En vrai, j'ai pas du tout rollback, mais on appelle ça de la rage, monsieur. Eh oui. Comme la maladie des renards. Mais là, c'est pas la maladie des renards. Cette map, elle est assez intéressante parce que... On peut se dire quand même qu'on a parcouru énormément de trucs générés aléatoirement. Alors, avec les commandes blocs, enfin, après, on fera un petit tour de commandes blocs en volant. En volant, pas comme un voleur, mais en volant comme un volant. Attends, c'est moi ou ce jump est impossible? Si, il est possible. Ouais, voilà. Ok, 622. On avance en silence, comme dirait Trollolol. Talalol. Parce qu'il y a plein de fangirls de Tal qui nous ont fait « Ah non, mais c'est pas bien !» Je te mets un pouce rouge. Alors, là, on atterrit sur le bloc. On atterrit aussi sur le bloc, mais différemment, tu vois. On atterrit original, tu vois. Genre, en mode hipster, tu vois. Donc là, on meurt parce que c'était la pire blague que le jeu ait jamais entendue. Donc du coup, il met un pouce rouge. Il me le fait bien comprendre en me butant. Tiens. Bonjour, est-ce que t'aimes manger les tracteurs? Cette question est très très importante. Si, elle me servira beaucoup. Non, pas. On est mort, mais de manière très très nulle. Mais vraiment. Alors apparemment, il y a une surprise. Une surprise à partir du moment où tu arrives à 1000 blocs. Et j'ai envie de voir cette surprise. Vous avez envie de voir cette surprise?
Je pense que vous vous en foutez totalement, mais et vous allez directement aller à la fin de la vidéo de manière violente et méchante, parce que du coup j'aurais fait un moment de vidéo pour rien. Non, non, mais arrête, j'étais en train de parler, mec. J'étais en train de parler. Tu te rends compte, tu me coupes la parole et tu me tues. Ouais, donc du coup, je disais que je suis trop mad parce que je dois tout me retaper. Bonjour, bonjour. Bonjour. Toi, je te dis bonsoir parce que il est 17h30. Et à partir de 17h30, tout le monde sait que les Anglais boivent du thé, mais ça, on s'en fout. Mais que. Et que. On dit bonsoir. Même si moi, je dis bonsoir même le matin. Donc, normal. Genre là, je peux dire bonjour. Parce que actuellement, il est 19h. Et je peux me permettre de dire bonjour. Oui, oui. Cet homme se permet de dire bonjour. Appelons Marcel. Quand même, c'est. Ça me fait penser que là, actuellement, si je tourne cette vidéo, mais je parle quand même à mon ordinateur. Je parle à mon casque. Ça fait pas bizarre, mais ouais, c'est vrai qu'au début de mes vidéos, ça faisait un peu bizarre. Je pense que pour vous aussi, si vous êtes pas youtubeur, ça vous ferait pas bizarre si vous devez parler devant un micro comme ça. Dans votre chambre, il n'y a personne et vous parlez comme ça devant le micro en jouant à Minecraft. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je pense que personne va le dire parce que personne va regarder à ce moment-là de la vidéo. Parce qu'en général, on regarde soit le début, soit la fin, mais pas au milieu d'une vidéo. Hein. Personne n'a jamais fait ça dans sa vie. Hein. Ok, là, je me suis fait littéralement troll. Le jeu veut absolument que je fasse un jump dur alors qu'il y a un moyen facile de le faire. Mais non, il bouche le passage. Il bouche le passage. Il bouche le passage. Je répète encore une fois là où il y a des gens qui n'ont pas compris. Il bouche le passage. C'est bon? Je peux arrêter. Et quand je pense qu'on est quand même à 994 et qu'on arrive à crever méchamment ici, je pense que la fin est là-bas. Mais je n'en suis pas totalement sûre. Alors nous allons nous en assurer grâce à un accéléré d'excellente qualité à partir de maintenant. Ça c'est badass ça. Tu as atteint les 1000 blocs. SCP, dis-moi de quoi. Qu'est-ce que tu penses de cette map? Et joue à ma deuxième map, Super Run. Donc clique ici pour aller sur la page forum et regarder mon autre map de parcours. Donc gros GG à lui. Alors on se met game mode 1. On va regarder. Ouais, je pense que ça se barre encore très loin. Donc. Moi, je vous propose que la prochaine fois, on se retrouve pour essayer de faire son autre map, pourquoi pas, hein, dans quelques jours, ou quelques semaines, ou quelques années. On verra ça. En tout cas, si ce petit moment de rage intense vous a plu, cliquez sur le bouton j'aime. Si vous faites partie de la team Marcel Le Poulpe, cliquez aussi sur j'aime. Donc, pour faire partie de la team Marcel Le Poulpe, c'est très simple, il suffit de s'abonner à la chaîne. Tout simplement. Voilà, voilà. Donc, on va découvrir un petit peu les command blocks de cette map. Non, par contre, j'aimerais bien que les feux d'artifice s'arrêtent parce que c'est pas comme si ça faisait laguer, mais voilà. Bon. Wither Skull. Donc, il y a énormément de randomizers ici. Non, même pas, c'est même pas des randomizers. Je sais pas. Je sais pas du tout, en fait. Enfin, bref, si vous voulez savoir comment faire un randomizer, il y a l'ami Rubio qui a fait une vidéo, un petit placement de produit, voilà. Vous pouvez aller la voir juste là. Et moi, je vous dis au revoir et à la prochaine, et au revoir et à la prochaine, et au revoir. Salut !